comment est-ce qu'aujourd'hui la police peut tuer, rien ne se passe. On peut avoir ce droit de vie sur un corps, rien ne se passe. On peut maltraiter un corps, mutiler un corps, rien ne se passe. La mine, c'était il y a 15 ans. Claude, c'était un an et demi. On a l'impression que c'est un perpétuel recommencement. À chaque fois qu'il y a un meurtre policier, une violence policière, ou un jeune se fait éborgner, ou une personne perd la main, c'est toujours des non-lieux. Est-ce que c'est normal ? Justice pour Ibo ! On est dans le 20e arrondissement, quelques minutes du domicile familial. La mine, c'était le dernier des garçons et l'avant-dernier des enfants. C'était quelqu'un de grand, beau, généreux et désolé. Qui, dont le sourire, le son du rire pouvait résonner dans tout le quartier. Donc, il avait un rire très communicatif et les gens, justement, le repéraient par rapport au son de son rire. La mine a été tuée dans la nuit du 16 au 17 juin. Il a subi une clé d'étranglement et un plaquage ventral. Il y avait 4 à 5 policiers qui étaient en appui sur lui. Certains étaient en appui au niveau de son bassin, au niveau de l'omoplate, en appui aussi au niveau de la tête, les jambes repliées sur le fessier. Il est décédé sous leur poids, étouffé sous leur poids. La justice française est défaillante. Il y a besoin d'aller jusqu'à la Cour européenne, donc de solliciter l'instance internationale, parce qu'au niveau de la France, il n'y a pas de justice. L'enjeu pour nous, c'était de pouvoir rétablir la vérité. Parce qu'il faut savoir que dès qu'on est victime de crimes ou de violences policières, c'est tout de suite la criminalisation de la victime. C'était une victoire historique, parce qu'on a pu, malgré tous ces mensonges, rester déterminés et aller jusqu'à cette Cour européenne. Donc s'il y avait une instance encore plus haute, on serait allé. Il y a un an, je perdais mon fils, Yanis, âgé de 20 ans, après avoir été pris en chasse dangereusement par un véhicule de la BAC. Le 3 juin 2021, mon fils nous a quittés des suites de ses blessures, après 49 jours de coma. Je remercie Fatou et Ramata et tous les autres membres et soutiens d'apporter cette dynamique et ce soutien si précieux dans le réseau. Le collectif Vivolé, c'est un collectif qui a été monté, fondé par Ramata Diagne, ma grande sœur. On s'est rendu compte qu'on était isolés. La création de Vivolé, c'était aussi de pouvoir briser cet isolement, que les familles et les victimes blessées puissent être en lien, puissent échanger entre elles, qu'elles puissent s'organiser aussi entre elles. La mère de Yanis avait vraiment besoin de se sentir rassurée. Elle pensait être seule et que personne l'entendait et personne ne la comprenait. Et je pense qu'en rencontrant Ramata et Fatou, il y a eu aussi cette force qui a été insufflée chez chacun de nous. Et on peut le revoir chez tous les membres du réseau, une force, un dynamisme qui nous anime. Et je pense que Ramata et Fatou en sont les grandes responsables. Au début, c'est des premières familles des victimes qui sont venues à Rennes dans la première marche de Babacar que j'ai organisée à Rennes, qui me soutenait, qui me donnait un exemple pour que je me bats. Elles ont été comme des sœurs dès le départ pour nous. Le conseil le plus important qu'elles nous ont donné, c'est vraiment de rester sur nos gardes, de ne pas faire confiance à l'institution et de vraiment mettre toutes les chances de nos côtés, d'essayer même la plus petite fourmi, on dira, d'indices qu'on pourra récupérer, de tout récupérer et de vraiment avoir un dossier solide pour pouvoir faire face à ces institutions. Je pense qu'il y a beaucoup de mères, de femmes, de veuves, de sœurs qui mènent ces combats-là. Et mine de rien, on partage aussi nos craintes, nos doutes, nos peurs, nos pleurs. Et Fatou, elle accueille ça chez toutes les familles de victimes. Elle rassure, elle encourage, elle soutient. Et je pense que ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment très important pour chacun de nous.
et force à la famille Dieng, parce que à leur époque, c'était pas facile de se lever et de se dire qu'on va demander justice face à la police. Aujourd'hui, c'est pas que c'est facile, non, bien loin de là, mais c'est moins compliqué qu'à leur époque, il y a 15 ans, parce qu'il y a les nouvelles technologies et parce qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui qui sont levés contre le gouvernement et contre la police. Mais je pense qu'il y a 15 ans, il ne devait pas y avoir... 15 ans, la douleur, elle est toujours là. La colère est toujours là, le vide de la mine est toujours là. Donc nos parents... À 15 ans, nos parents pleurent toujours comme là. Là, 15 ans, je ne peux pas parler de la mine sans verser une larme. Parce que c'est des souvenirs qui remontent, c'est la colère, l'injustice. Donc, de savoir que notre frère a été tué comme ça, gratuitement, comme d'autres. Hein. Et ces temps-ci, c'est que les parents qui enterrent leur enfant. Et ça, c'est insupportable. Ce n'est pas le cours naturel des choses. On ne s'en remet jamais. On ne s'en remet jamais. Nous, on continuera toujours à proclamer à haut et fort justement le nom de toutes les victimes blessées ou tuées pour qu'il y ait justement cette mémoire collective.